J'ai réalisé ce make-up avec vous. Je me recule un petit peu, je suis très près là. J'ai réalisé ce petit make-up avec vous avec la palette toujours Bird of Paradise que je vous ai présentée dans le dernier vlog. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec. Et franchement, pas mal du tout. Si vous aimez les fards, enfin les couleurs, celle-ci elle est faite pour vous. Donc j'ai utilisé le fard Adventure, le fard Vacay. Donc c'est-à-dire les deux fards, ils sont ici. Le fard Toucan Play, le orange. Le Hot Tropic ici en coin interne. Et sur la paupière, le jaune, le canari tout simplement. Là pour les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Sephora qui est le Rock and Purple, c'est le 56. Et je vais mettre par-dessus un gloss qui est le Pink Slip pour adoucir un petit peu. Regardez la bouche que ça fait. Oh, ces gloss sont super. Par contre, je vous conseille de toujours essuyer votre petit le petit embout parce que ça dépose quand même hein, quand on passe sur un autre rouge à lèvres. Donc voilà un petit peu le combo pour la journée. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, non je sais pas si je vous l'ai dit, on est jeudi. Il est. Je me suis levée très 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 tôt aujourd'hui. Depuis 5h du matin, je ne dors plus. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui me travaillent, donc mais je ne peux pas vous en parler parce que c'est de l'ordre du privé. Donc voilà, c'est des choses que je ne veux pas partager sur YouTube ni ailleurs. Donc voilà, vivement ces quelques jours de vacances. D'ailleurs, le vlog là qui vous allez voir aujourd'hui sera scindé en deux sur deux dimanches d'affilée, puisqu'il y a une semaine où on va prendre avec mon mari quelques jours off et je ne posterai pas sur les réseaux sociaux, il y aura rien en fait sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment une journée pour déconnecter, pour se ressourcer, pour se reposer. Donc c'est vraiment quelques jours off. Donc je pense que je scindrai ce vlog en deux pour que vous en ayez chaque dimanche, voilà, une trentaine, quarantaine de minutes, parce qu'en général les vlogs sont toujours à peu près de cet acabit, on va dire, de cette taille là. Donc il est 9h30. Je vais juste, ce que je ne fais pas, que je fais tous les jours pour le gloss, je prends le manche d'un pinceau. Je fais ça et après je viens essuyer et comme ça, ça ne fait pas de petits filets à l'intérieur. Donc, je disais, il est 9h30. Là, je vais filer, mettre mes chaussures. Je vais aller au relais colis, j'ai 4 colis à déposer. Ensuite, il faut que j'aille faire un petit tour. Je voulais faire un petit tour à Jiffy. Ouais, voilà, il y a longtemps que je ne suis pas allée chez Jiffy, il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, j'essaye d'y aller de temps en temps. Il y a là une halle aux vêtements à côté. J'ai vu que LNLC avait fait un haul et elle avait trouvé plein de petits bijoux en solde à moins 50%. Donc je vais aller voir s'il reste des petites choses. Et je vais aller ensuite à la banque chercher, enfin commander, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Commander les livres sterling pour le Royaume-Uni, pour Enzo, là qui part fin février, début mars. Donc voili, voilou. Hop. Donc je vais aller faire mes petites photos aussi pour Instagram. Et puis je vous retrouve tout à l'heure quand je rentre, voir si je vous ai trouvé des petites choses, etc. On verra. Voilà, je suis rentrée. Il est 11h15. Donc je viens de rentrer. Alors je ne suis pas allée à la banque tout simplement parce qu'il pleut à verse. Et je ne retrouve plus mon parapluie dans la voiture. Et le parking de la banque est assez loin.
enfin le parking où on peut stationner pour aller à la banque, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc j'irai mardi, je pense, puisque vendredi, je pense que je vais aller faire un petit tour à Action en revenant de mon rendez-vous de demain matin, parce que j'ai rendez-vous pour mon bidou demain matin, pour voir si on a les choses qu'on a mis en place, etc., c'est mieux ou pas. Donc, ouais, je suis un petit peu dégoûtée. J'ai regardé sur internet, il faut entre 4 et 5 jours pour commander les livres. Alors, je suis allée donc en premier chez Jiffy, j'ai trouvé des pépites chez Jiffy pour ma déco, soit dans le bureau ou ici, je sais pas trop encore. Alors, j'ai trouvé avec la carte VIP, il y avait moins 30 ou moins 20% dessus, moins 30 sur le... La déco murale, au lieu de 7,99€, j'ai eu moins 2,40€ de moins. Donc j'ai trouvé ce masque qui est un peu en épaisseur, vous voyez, tout en métal noir. Donc on a une accroche ici, juste ici pour mettre un clou. Donc je sais pas, si, je pense que sur un mur noir, sur un mur blanc, ça va rendre top. Donc je sais pas encore si je vais le mettre au mur ou si je vais peut-être le mettre au mur derrière ou mon bureau, je sais pas encore. Donc j'achète plusieurs petites décos. Donc ça du coup, il était à moins 30% avec la carte VIP. Ensuite j'ai pris une patère, ça justement du coup pour mettre sur le côté où il y a l'entrée. Et ça fait très baliné justement le style que je veux donner. Franchement, elle était vraiment à 14,90€ je crois, c'est ça. 14,90€, ouais, la patère, donc vraiment très très jolie. Donc moi je pense que ça sera uniquement pour la déco. Donc je pense pas qu'on accrochera des choses dessus. Peut-être mon mari mettra ses clés du travail. Donc voilà, elle est très très jolie. Elle est toute en bois je pense. Donc franchement je kiffe, j'adore. Vraiment le motif est très très joli. Voilà, très très sympa. Franchement il y a des pépites là en ce moment chez Jiffy. Ensuite j'ai pris toujours en déco, j'ai pris une petite bagouze après. J'ai pris un pot en macramé pour mettre sur le dessus de mes deux trucs pour ranger les dossiers, la tiroir. Donc c'est une lanterne noire avec le pied en bois et avec un dessus tout macramé. Et on peut mettre un petit lumignon à l'intérieur, une petite bougie. Donc bon, je pense que je ne mettrai rien moi dedans, ça sera juste pour la déco. Donc elle, je l'ai payée 6,99€, donc c'est très très raisonnable pour quelque chose qui est en macramé. Donc j'aime beaucoup beaucoup. Franchement des pépites là chez Jiffy ce matin. Et j'ai pris ça, mais alors il va falloir que j'y retourne avec le ticket parce que ça va pas. Je voulais un petit peu customiser le carrelage. Vous avez vu dans un des précédents vlogs, j'ai acheté des tapis façon carreau de ciment. Et j'aimerais bien en fait dans la cuisine un peu customiser le carrelage avec des stickers comme ceci repositionnables. Sauf que j'étais persuadée que les carreaux de carrelage dans la cuisine étaient en 15-15 et je pense que c'est du 30-30. Donc il va falloir que je les mesure. Donc je vais retourner à Jiffy je pense la semaine prochaine quand je vais aller à la banque. Avoir ou échange pour convenance sous 15 jours sur présentation du ticket. Donc je vais garder le ticket et si je peux prendre, s'il y a d'autres tailles plus hautes, je le prendrai. Et s'il n'y a pas, je ferai un avoir sur un prochain achat. C'est pas perdu parce que ça c'était à 3,75€. Donc ouais, je voulais en fait à l'intérieur, vous avez plusieurs motifs de carreaux de ciment parce que ça irait très bien avec. Et du coup, va falloir que je mesure et que je le marque sur mon téléphone. Parce que là on en avait 6, donc faut que je vois un petit peu en les positionnant combien il m'en faut. Donc je retournerai la semaine prochaine à Jiffy. Ah, j'ai les cheveux tout électriques, c'est une catastrophe. Et chez Jiffy j'ai pris ça, une bague. Donc c'est un petit peu les mêmes bijoux, je me rends compte là il y a des marques très très similaires par rapport à chez Babou. Quand je suis allée la semaine dernière chez Babou, je vais couper le fil. Et à 4,99€, donc voilà ce que ça donne pour la porter soit avec plusieurs, soit avec une autre bague. J'aimais bien en fait le cabochon qui était un peu en genre de blanc, nacre et du doré. Ça j'avais pas, ça, cette forme là. Et ensuite, donc là je suis contente franchement ce que j'ai trouvé à Jiffy. Donc il faut que je mesure mes carreaux de carrelage dans la cuisine pour voir ce que ça donne pour la bonne dimension. Donc ça je vais garder avec le ticket de caisse et pour la semaine prochaine pour y retourner. Pour aller soit me faire prendre la bonne dimension cette fois-ci. Donc je vais voir ça.
Ensuite, donc, je suis allée à la halle puisque Hélène, dans un de ses derniers vlogs, je crois, ou dans un haul, je crois, elle a fait une vidéo haul où elle présentait des bijoux qu'elle a trouvé à la halle à 2,90€, et ça vaut extrêmement le coup parce que j'y suis allée. Bon, là, il n'y avait plus grand chose parce qu'on arrive vraiment en fin de solde. Donc j'ai pris, tout est à 2,90€, j'ai pris donc ce long sautoir, c'est un multicollier avec du doré et des pompons, et les petites pièces sont un petit peu ciselées comme ça, et il est vraiment très très joli, donc sur une tenue toute noire ça peut être très sympa. Donc celui-ci il était à 10€, donc 2,90€, je l'ai payé 2,90€, et c'est un seul collier je pense, ou c'est, non c'est un seul collier. Donc voilà, très très joli, j'aime beaucoup ce style de collier. J'ai pris essentiellement des sautoirs longs. Donc là on en est à 10€. Ensuite j'ai pris celui-ci, mais je vois qu'il a un petit défaut. La chaîne elle est... Alors bon, portée ça se verra pas, mais je viens de voir qu'il a un petit défaut là en rentrant. Donc celui-ci il était à 10€ aussi, et je l'ai payé 2,90€. Enfin tout était à 2,90€, tout ce qui était avec un petit poids... Donc c'est un long sautoir en couleur argent, et vous avez une pampille comme ça aux pointes. Donc là j'en ai eu pour 2,90€. Voilà. Ensuite j'ai pris ce long sautoir, je crois que celui-ci Hélène elle l'avait présenté il me semble, je ne sais plus trop. Donc c'est pareil, celui-ci t'es à 10€, tout ce qui est long collier comme ça, ça vaut extrêmement le coup. Donc on a une petite chaîne avec des petites boules dorées, et on a cette petite chose là au bout. Et si vous vous souvenez, dans mon précédent vlog j'ai acheté une petite bague dorée chez Babou, un peu en filigrane comme ceci là, comme la pointe, et on a des petites pampilles pareil en filigrane et dans les tons pêche. Donc celui-ci était à 10€, 2,90€. Et j'ai, pour finir, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles un petit peu en genre créole avec des petites pampilles. C'est dommage qu'il n'y avait pas le sautoir, j'aurais bien pris le sautoir de celui-là qui était à 7€, enfin 6,99€, donc 7€. Voilà, très très joli, vous savez que j'adore le bleu. Donc normalement j'aurais dû en avoir pour 37€, et j'en ai eu pour 11. Il est où mon ticket? Doit être pour j'en ai eu pour 11,60€. Donc franchement ça vaut grave le coup, 11,60€ au lieu de 36 ou 37€. Au lieu de 37€, 11,60€. Donc franchement ça vaut grave le coup. Donc si vous avez une halle aux vêtements à côté, je ne sais pas jusqu'à quand c'est les soldes, mais franchement c'est très intéressant. Je pense que aux prochaines soldes d'été, j'irai directement à la halle pour les bijoux, pour qu'il y ait plus de choix. Mais je suis contente déjà de ce que j'ai trouvé. Je suis super ravie de ce que j'ai trouvé. Avec ce que j'ai déjà, ce sautoir là, il est magnifique, il est assez long, et j'aime beaucoup les sautoirs qui sont longs. Sur une petite tenue toute simple, toute noire, ça peut faire très très joli. Donc voilà, je suis ravie des achats que j'ai fait ce matin. Vraiment j'ai trouvé des pépites aujourd'hui, je suis ravie. Bon, un petit peu déçue pour ça, mais c'est de ma faute, hein. J'ai tenté, j'étais persuadée que c'était cette forme de carré, enfin cette taille. Donc il faut que je mesure exactement la taille. J'ai également reçu un colis Makeup Revolution que j'ai fait une commande. J'ai fait une commande, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que c'est pour une vidéo spéciale. Donc, vous la verrez en temps et en heure. C'est une vidéo qui va me demander un petit peu de travail. Donc, c'est une vidéo que vous n'aurez pas tout de suite. Mais c'est une vidéo que je vais faire au fur et à mesure, que vous ne verrez pas forcément dans les vlogs, puisque c'est des produits que je vais vous présenter. Enfin, je n'en dis pas plus, vous verrez ça plus tard. Il fait tout noir, il est 11h20, il fait noir, noir, noir. Donc je vais enlever toutes les étiquettes, je vais aller voir comment je vais aller placer ça de l'autre côté. Donc aujourd'hui j'ai mis aucun bijou, j'ai mis quasiment aucun bijou. Qui c'est qui me parle? Ah, c'est une d'entre vous qui m'envoie un petit message sur Facebook pour savoir mes boucles d'oreilles étoiles que j'avais dans le précédent vlog. Eh bien ils sont dans le vlog. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais faire ce matin? Oui, j'ai encore des 3 colis là, j'ai revendu 3 petites choses sur Vinted. Cet après-midi, je vais remettre des petites choses, je vais remettre des colliers. Alors comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Vinted parce que je vais remettre plusieurs choses là, et ça part très 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 vite. Quand c'est mis, il ne faut pas traîner, si vous voulez acheter en lot, etc. C'est des petits prix, donc ne traînez pas s'il y a... voilà. Et hier soir, on a fait, dans le précédent vlog, je vous ai présenté le Limite Limite, là, le jeu.
pour enfants. On a fait une partie avec mon mari et mon fils. Ben, c'est très sympa. On a bien rigolé. Donc Enzo il me dit ouais, c'est un peu pour les petits. Alors oui, lui il a 15 ans, mais je pense, trouve que la version adulte était un petit peu trop adulte justement. Donc voilà, je vais ranger tout ça, enlever les étiquettes. Et je pense que je vous retrouve tout à l'heure s'il y a des petites choses dans la boîte aux lettres ou pas, ou pas, ou pas. Donc je vous reprends, il est 3h, 15h30. Là je suis en train de regarder des petites vidéos sur YouTube. Et j'ai passé en même temps mon aspirateur et mon balai, le Swiffer, là celui-ci. Donc ma recharge, ça y est, elle est vide. Ce que je vous avais présenté dans un précédent vlog. Donc... Je vais vous expliquer comment j'ai fait pour l'ouvrir, parce que normalement ces recharges là en fait on les achète et normalement on doit les en acheter des nouvelles pour en remettre. Donc celle-ci c'est une 500 ml vent de fraîcheur Fribris. Donc ce qu'il faut faire c'est faire bouillir de l'eau. Une fois que vous avez fait bouillir de l'eau, vous mettez votre flacon à l'envers comme ceci, un petit peu penché, et il y avoir plein de bulles qui vont se former. Donc ça veut dire que le bouchon se dilate. Donc faut attendre quoi, une ou deux minutes, et après vous allez pouvoir enlever le bouchon pour pouvoir refaire votre mélange. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc je vais poser la caméra et faire la petite recette avec vous. Donc c'est une première, je la testerai puis je vous en reparlerai, je pense, dans un prochain vlog, parce que comme je passe à peu près une à deux fois par semaine le petit coup de Swiffer, donc c'est vraiment pratique. Donc là c'est à base de savon noir, de cristaux de soude, d'eau et d'huile essentielle. Donc je vais préparer tout ça et je vous retrouve pour la petite préparation. Donc la petite recette que j'ai trouvée sur internet, c'est pour 800 ml d'eau, ça fait un demi-litre. Donc moi je vais en faire la moitié pour voir ce que ça donne, il faudrait que j'arrive à trouver un contenant après d'un litre. Donc je vais mettre 400 ml d'eau. À l'intérieur, je vais mettre 25 g de cristaux de soude. J'ai acheté ça en magasin bio, mais on peut les trouver sur internet. Donc je vais mettre dans mon bro 25 g de bicarbonate de soude, c'est ça, hein, de cristaux de soude, pardon. Cristaux soude. Alors, je vais mettre donc 25 g. On va faire tout en la moitié. J'en ai mis un peu plus que 25 g. J'ai mis 30 g. Donc je vais... on va laisser poser 10 minutes et je vous... Donc ensuite on va laisser poser 10 minutes. Donc il est 15h30, donc à 40. Ensuite je vais mettre 75 g de savon liquide noir. Et je vais mettre ensuite 50 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc une fois que mes cristaux sont dissous, là voilà, ça fait quoi, 5-6 minutes, ils sont bien dissous. Je vais ajouter donc mon savon noir, c'était 75 grammes je crois, je ne sais plus. Donc c'est une recette qui vient de, je vais vous dire, Aromazone. Ensuite je vais mettre donc 75 grammes de savon noir. Hop, j'ai pas fait la tare. Voilà. Je vais venir mélanger. Alors, je vais venir mettre mes huiles essentielles, donc à peu près 50 gouttes. Voilà. Je remélange. Ça sent bon le citron et le savon. Donc, et je vais pouvoir verser dans mon pot, dans mon flacon. Je vais sûrement remélanger, je pense, un petit peu quand même. Et voilà, c'est parti. Et je vais pouvoir le remettre dans mon balai. Je vais juste un petit peu mélanger avant. Comme ça, ça va être bien mélangé. Eh bien, je vous en redirai des nouvelles ce que ça donne, cette recette de nettoyant pour sol maison. Donc c'est tout à fait, c'est complètement écolo et ça permet de ne pas avoir à acheter ça sans arrêt. Et les lavettes que j'ai achetées chez Jiffy, elles sont top. Donc voilà pour ma petite recette de nettoyant pour le sol. Donc je vais la tester et je pense que je vous referai un point dans les prochains vlogs, savoir si c'est efficace, si ça nettoie bien, si ça laisse pas les sols collants, etc. Donc
Comme là je l'ai déjà passé puisque j'ai fini la petite, le petit pot, je pense que je vous en reparlerai dans un prochain vlog. Donc je vais clôturer cette petite journée ici et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. À demain. On est vendredi, je ne sais plus quel jour on était. On est vendredi, il est 9h moins le quart, je suis déjà prête parce que là j'ai un rendez-vous, j'ai une heure de route. Donc je vais chez un spécialiste, je vous en avais déjà parlé pour mon bidou, on a mis des choses en place. Et justement on va voir ce que ça donne. Moi je suis assez mitigée mais bon on verra. Alors pour le petit make-up du jour, je suis essoufflée, j'ai remonté très vite les escaliers. Pour le petit make-up du jour, j'ai utilisé toujours mon fond de teint Conceal and Hydrate de chez Make-up Revolution. Et aujourd'hui, j'ai mis la palette. Je voulais quelque chose en les tons nude pour moi. Donc c'est peut-être chargé pour certains, mais pour moi c'est nude. J'ai utilisé celle-ci, la Heat Hot, non, la Hot Hot Heat de chez LA Girl que vous pouvez retrouver sur le site Color and Make-up. Franchement, cette palette, c'est une merveille, franchement vous pouvez faire du nude comme je l'ai fait aujourd'hui, des choses plus colorées dans les tons bleus, dans les tons violets, dans les tons un petit peu orangés, jaunes, c'est une merveille. Et en plus on a une déclinaison de plusieurs gris ici, gris marronné, donc franchement cette palette c'est une merveille. En plus elle n'est pas excessivement chère, donc c'est de la marque LA Girl. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos sur le site Colors and Makeup. Pour les lèvres j'ai mis le caramello de chez Stila et par dessus le gloss Stila aussi, le Kitten. Et toujours mon petit mascara de chez Sephora. Donc voilà, voilà un petit peu les petits. Je vais vous montrer la petite tenue au rez-de-chaussée. Et après, normalement, j'ai à peu près 45 minutes de rendez-vous. Et après, je vais essayer. Il y a un Action qui est pas très loin. Je vais essayer d'aller au Action pour chercher les petites choses qu'il me faut pour mon coin ongle. On va voir si je trouve des petites choses. Il fallait également une rallonge, une prise, etc. Donc je vais voir ce que je vais trouver. Donc tout va dépendre à quelle heure je vais sortir du rendez-vous. J'espère pas trop trop tard. Donc là, je finis de me préparer et je vous montre la petite tenue au rez-de-chaussée. Donc pour la petite tenue, j'ai mis un petit top qui vient de chez H&M, un petit top basique noir. J'ai mis le petit collier que j'ai acheté hier à la halle. Il va très bien avec ce voilà, je le voyais comme ça. Et j'ai mis un kimono manche courte de chez Shein, qui est tout léger, un peu imitation piton. Un legging et j'ai mis mes chaussures avec les fleurs grises et les boucles grises. Et les boucles grises, donc voilà un petit peu ce que la petite tenue donne aujourd'hui. Donc comme ça, voilà, pour me déshabiller, ça va aller assez vite pour qu'il m'examine. Donc voilà un petit peu pour la tenue du jour. Donc je dis go, puisqu'il est 9h moins 5. Je dis j'ai une bonne heure de route, j'ai rendez-vous à 10h30. Donc je vous retrouve tout à l'heure, comme ça je vous fais voir si j'ai trouvé des petites choses ou quoi que ce soit. Et voilà. Tout simplement. Donc voilà ce que ça donne en lumière du jour. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Et j'ai toujours un bijou. J'ai mis juste ça aujourd'hui. J'ai mis les petites boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles de chez ma box bijoux. Donc d'ailleurs en parlant de ma box bijoux, je vous avais dit que je la présenterai pas, mais vous pouvez voir la box de février et il y a un bon plan avec le code GIFT. Vous avez pour l'abonnement de 1, 3 ou 6 mois avec le code GIFT, vous avez une box en plus, une box supplémentaire. Donc voilà, je vous mettrai la petite photo là sur de Instagram que j'ai vue. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Il est midi et demi, je viens de rentrer. Donc j'ai eu mon rendez-vous ce matin, tout s'est très bien passé, je suis très contente du résultat, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée. On a fait des petits ajustements pour mon bidou, donc je suis contente, on va voir ça dans 6 semaines, j'ai un autre rendez-vous dans 6 semaines. Je vous ferai une vidéo je pense dédiée un petit peu pour sur ce parcours là, sur la colopathie fonctionnelle etc, sur ce que je vis en ce moment, comment voilà. Ça arrive, ça arrive, ça arrivera je pense peut-être fin d'année, cette vidéo un petit peu de transition, voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça en fin d'année. Donc là il est midi et demi, je suis allée donc, j'ai refait un crochet par Bretigny, je suis allée au Action de Bretigny. Pour une fois, le Action est super bien rangé, pour une fois c'est très très bien rangé, j'ai été agréablement surprise. Je n'ai pas trouvé les 7 en façon bois, esprit marbre. Donc quand j'irai la semaine prochaine, celui de Villabé, j'espère les trouver. Donc j'ai repris essentiellement des choses que j'avais besoin. J'ai pris des enveloppes, je vais vous montrer ce que là, parce qu'il n'y a pas grand chose. Puisque vous aurez un haul Action là dans les semaines qui viennent. Donc j'ai fait plusieurs fois chez Action là pour le mois de fin janvier, début février. Donc vous aurez un haul Action.
Donc j'ai repris des enveloppes à bulles en petit format pour mes envois Vinted parce que ça part très vite. Une boîte de mouchoirs parce que j'en ai plus sur la table basse et je pense que la sinusite est en train de me gagner avec cette foutue humidité. Là j'ai une barre à la tête et j'ai le nez plein, donc j'en avais plus. Et comme je vais faire quelques courses que seulement demain, eh bien j'ai repris ça. Une boîte de mouchoirs, je vous mets les prix, hein. Enfin je vais vous les dire, j'ai le ticket de caisse, il est là, ça va être plus simple. Donc les petites enveloppes c'est 99 centimes, la boîte de mouchoirs elle est où, 95 centimes, j'ai pris ça, j'ai pris une gourde en plastique tout simplement pour Enzo, puisqu'Enzo part fin février. À cheval sur fin février début mars avec le collège dans les Cornouailles, ils partent en voyage et il leur faut une gourde, donc voilà, une petite gourde en plastique pour pouvoir parce qu'ils sont en famille d'accueil, que la famille d'accueil puisse leur mettre soit du jus d'orange ou des choses comme ça à l'intérieur pour la journée, pour le pique-nique, etc. J'ai repris une grande bougie comme ceci. Alors dans mon prochain haul action vous verrez que j'en ai acheté une grande comme ça noire que je destinais, enfin l'emballage est noir en fait, ça s'enlève mais moi je compte le garder, que je comptais destiner à me servir de poubelle pour ma pièce là-haut, pour ma pièce beauté, sauf que elle était sur notre enceinte, une des enceintes du salon du home cinéma. Et dimanche dernier, on regardait un film et je pense qu'il y avait beaucoup de vibrations, et la bougie elle a fait comme ça, elle a fait pam et éclaté sur le carrelage, il y en avait partout. J'ai pourtant passé l'aspirateur plusieurs fois et je retrouve encore des morceaux de verre. Donc elle est explosée, donc je ne la reposerai pas sur les enceintes, je la poserai sur ma table basse. Et celle que j'avais, c'était pas le même parfum, elle sentait divinement bon, donc j'ai pas retrouvé. Donc celle-ci c'est fraîche linen, donc ça doit être lin frais. Donc à voir ce que ça donne, linge frais, je pense que ça doit être. Donc Elle était un petit peu plus chère, la bougie elle était à 4,99€, mais du coup ça me, comme j'en ai retrouvé une en marbre, exactement comme la déco de là-haut, donc c'est top. Ensuite j'ai pris ces petites choses là, j'en avais plus, c'est des choses qui sont faites pour mettre sur les couvercles des saladiers, des assiettes, etc. Je n'utilise quasiment plus de film plastique, donc c'est réutilisable, c'est lavable, donc vous en avez deux petites, deux moyennes et trois larges. Donc c'est pour couvrir les plats et franchement il y en a partout sur mon frigo, c'est vraiment top. Donc ça je les ai payés je crois 85 centimes, donc ça vaut rien. Après ils ont sorti plein de nouveaux masques au niveau de la beauté, donc j'en ai pris un de chaque, je crois qu'ils étaient à 64 et 69 centimes. Donc ceux là qui sont, donc c'est la marque The Beauty Depth, donc c'est des produits coréens. Donc celui-ci c'est un masque au guacamole, il est nourrissant, donc c'est des masques tissus. On a celui-ci qui est un masque purifiant et en ce moment j'en ai grand besoin comme je suis très fatiguée, en ce moment et j'ai des boutons qui me sortent partout, j'ai beau faire des masques et mettre de l'arbaté etc. Donc celui-ci c'est un masque purifiant, donc ce sont des masques qui sont vegan, c'est écrit dessus. Et toujours de la même marque The Beauty Depth, ils en ont sorti trois autres comme ça. Donc celui-ci à la Cherry Blossom, donc c'est un masque hydratant et nourrissant, donc le bleu. Donc ceux-là sont à 64 centimes. On en a un qui est pour à la rose qui est nourrissant et restaurant, on va dire. Et il y en a un au Shooting and Brightening Mask. Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit en français, ça serait bien. Non. Est-ce que c'est des choses qui se rincent? 10-15 minutes. Non, ça ne se rince pas pour cela. Et est-ce que cela se rince? D'où notre rince. Donc, il n'y en a aucun qui se rince. Donc, ils font 20 grammes. C'est fabriqué en Corée. Alors, à voir ce que ça donne. Je vous dirai ça quand je les aurai testés, hein, dans les produits terminés, par exemple. Ensuite, il y avait ça en promo de la semaine. C'est du parfum d'ambiance. C'est ça, je pense, Fragrance from Europe Room Spray. Donc, spray d'ambiance, tout simplement. Il y en avait trois parfums. Moi, j'ai pris celui-ci qui doit être White Poppy. Je ne sais pas trop à quoi ça sent. C'est un peu les fleurs. Alors, je vais l'ouvrir. On off.
On va enlever l'étiquette. Il était à 1,99 je crois, ou 1,89, 1,89. Ouais, ça sent le frais, ça sent les fleurs. Donc ça fait un gros pchit. Donc ça c'est pour parfumer la pièce, ça sent très très bon. Ensuite, oh, mon ticket est par terre. Ensuite, j'ai pris une rallonge pour mon coin ongle, pour aller du mon coin ongle jusqu'à la prise électrique. Comme ça, je vais faire passer ça, je pense, peut-être derrière les meubles. Comme ça, bah, ça se verra pas. Donc j'ai pris une 5 mètres. Et ça, elle était à 4,99 je crois. Voilà, 4,99. Et pour finir, j'ai pris un déo pour Enzo, qui est au rayon homme, qui est un déo en stick. Alors, c'est pas ce qu'il aime du tout. Tout simplement parce que dans le bateau qu'ils vont prendre, ils font la traversée en bateau jusqu'à Portsmouth, ils n'ont pas le droit d'emmener des déos en spray. Donc, je lui ai pris un déo en habit, c'est ce qui est écrit sur le petit listing du trousseau. Donc voilà un petit peu pour mes petits achats chez Action. Je suis contente, j'ai trouvé à peu près tout sauf mes plaques. J'avais fait une liste, il me fallait mes plaques, donc ça je les ai pas trouvées. Mon mari m'a demandé de trouver le spray frais qu'il y avait eu pendant un moment pour le foot là, mais je crois qu'ils en font plus. J'ai attaché les cheveux dans le magasin parce qu'il y avait un vent pas possible, ça se collait dans le gloss, enfin la misère. Donc là il est midi et demi, je vais aller me faire à manger. Et je sais pas si je vous retrouve tout. Ça sent bon, j'ai le nez bouché mais ça sent super bon. Ouais, ça sent très très bon le petit truc parfumé là. Donc je vais ranger tout ça et puis bah, je vous retrouve peut-être tout à l'heure s'il y a des choses dans la boîte aux lettres. Et si c'est pas le cas, eh bien je vous retrouve pour une autre journée demain. Je vous reprends, il est 18h15. Donc là je viens de faire une petite heure de diamond painting. Je vais vous montrer un petit peu mon avancée. J'ai mis ma peau d'ours, j'avais froid. Donc voilà un petit peu mon avancée. J'ai fait un petit peu cette zone là pendant une heure. Donc ça avance, il me reste plus que cette zone à faire. Enfin plus que, il y a encore pas mal d'heures de boulot dessus. Mais je fais au fur et à mesure. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais recouvrir. Hop. Ces petites boîtes là, c'est des piluliers que j'avais acheté chez Action. C'est bien pratique pour mettre les petits squares et pour ranger. Donc là je vais vous retrouver à l'étage. J'ai regardé aussi des vidéos YouTube pendant ce temps que je bricolais sur le diamond painting. Et je vais vous retrouver à l'étage, on va tester le petit baume démaquillant que je vous ai présenté la semaine dernière chez Dr Pierrico. Comme ça on va voir si ça démaquille bien et puis après j'irai à la douche. Donc je vous retrouve à l'étage. J'ai d'ailleurs mis en place ma rallonge électrique là que j'ai achetée. Donc il va falloir que j'essaye de la passer derrière le meuble. Mais je ne sais pas trop comment je vais faire parce que je pense que je ne peux pas bouger du tout le plan de travail. C'est tellement lourd. J'enlève mes bijoux pour pouvoir démaquiller. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je pense peut-être, je vais même demander à mon chéri s'il ne peut pas me ramener une autre prise par là-bas. Je vais peut-être bien demander trop. Il va me dire, ouais, il y a trop de prises, il y a trop de trucs branchés. Enfin bref. J'ai aussi fait sauter cet ongle-là parce qu'il me faisait mal. J'ai accroché dedans avec le... Chez Action tout à l'heure. Et comme je vous dis, je l'ai refait demain. Ça fait 3 semaines. Donc je l'ai refait demain. Donc comme ça, je vais tester l'aspirateur à ongles. Donc je pense que ce soir, je vais refaire ce petit ongle-là. Quoique, il me fait mal. Peut-être que je vais le laisser attendre jusqu'à demain. Donc je vous disais, je vais tester sur le make-up. Vous voyez, j'ai pas fait de retouche au niveau... Bon, je brille. Hein, je suis maquillée depuis 8h ce matin. Il est 6h30 je crois. Voilà, il est 18h35. Donc je suis maquillée. C'était 7, 14. 14, 8. 8 et 8, ça fait 16. Ça fait déjà 10h que je suis maquillée. Et franchement, le teint... Ici, c'est... Bon, ça brille un petit peu, mais c'est pas dramatique.
Et tout ça grâce à ce produit là. Je suis toute hirsute. Et tout ça grâce à ce produit là de chez Makeup Revolution, qui est la Pore Perfecting Primer, que je vous ai présenté je crois dans le tiroir beauté et dans le haul. Franchement cette base là c'est une petite merveille. Voilà, par terre. Je m'en passerai après. Donc on va démaquiller le teint avec, enfin le teint, les yeux. Je vais essayer de tout démaquiller avec ça. C'est le Derma Pureté Dr Pierre Eco Baume démaquillant 2 en 1 visage et yeux, grand confort et fraîcheur au beurre de karité. Donc celui-là je ne l'ai pas encore testé. Donc il marque appliqué sur peau sèche en massant du bout des doigts le visage et les yeux puis rincer. Donc je vais déjà faire la mixtouille ici. Alors moi je vais prendre un petit truc pour, je ne vais pas mettre mes doigts dedans. J'aime pas mettre les doigts dans les produits comme ça. Voilà, donc je vais prendre un, j'avais acheté sur AliExpress pour pouvoir en mettre dans ma main. Je peux juste enlever mes bagues pour pas que ça en ait partout, mes petites alliances là. Je vais venir chauffer la matière. Ouais, ça se transforme en huile, c'est bien ce que je pensais. Là, ça sent rien particulier. Donc sur le visage, c'est relativement agréable, ça va. On va démaquiller les sourcils. Alors je ne sais pas s'il faut beaucoup de produits ou pas. Comme je n'ai pas encore testé ce produit-là, je vais juste en reprendre un petit chouille pour les yeux. Je vais venir faire fondre dans ma main et on vient masser. Bon, j'ai pas un make-up, j'ai pas un make-up super chargé en même temps, donc on va voir ce que ça donne. Je vais rincer ça et je vous retrouverai tout à l'heure après la douche, puisque là je vais aller à la douche et je vais aller rincer ça sous la douche en même temps. Ça a l'air de bien enlever le mascara toujours. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu la cire, je sais pas, ça n'a pas d'odeur particulière. Donc je vais aller rincer tout ça et puis je vous retrouve après la douche pour vous dire ce que j'en ai pensé, si ça se rince bien, comment est ma peau après. Donc c'est parti. Donc voilà, je sors de la douche. Alors au niveau de la sensation sur le visage, ça tire pas, ça m'a l'air de avoir quand même nourri le visage malgré tout que j'ai rincé. Au niveau de ce qui reste, je dirais qu'il reste un petit peu là au coin du nez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup d'eau micellaire avec un coton, un de mes cotons lavables, et je vais passer un coup d'eau micellaire. Donc j'utilise le bientôt terminé que j'avais vu dans une Birchbox je crois, c'est celle que j'aime beaucoup, ça sent terriblement bon. C'est l'eau démaquillante micellaire sans rinçage à la rose d'antan de chez Garancia, que j'adore. Donc elle est bientôt terminée, donc je vais en mettre sur mon coton et je vais passer mon coton sur le visage et on va voir s'il reste quelque chose ou non. Donc là j'ai juste émulsionné dans la douche et je suis venue rincer à l'eau tiède puisque j'étais sous la douche. Bah, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose qui reste. Hein. Moment glam, hein, le moment glam. Il n'y a quasiment plus rien. Et je pense que bah, le reste part avec, franchement, bah, bien cette... mascara, tout est parti, rien, ça me pique pas les yeux. Donc à voir si demain pas de réaction ni quoi que ce soit. Mais ça m'a l'air pas mal cette petite chose là. Donc de Dr Pierre Eco, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, je vais faire mes petits soins pour les soins du soir, hein, vous les avez vus, je vous les montrerai, tiens, puisqu'on est là. Alors petits soins du soir, passer un petit coup de lotion puisque j'ai passé un petit coup d'eau micellaire. En général je rince tout le temps l'eau micellaire. Donc ma lotion, comme je vous l'ai fait voir dans mon tiroir beauté, c'est la Glow Tonique de chez Pixie. Enfin cette lotion ou une lotion, hein, peu importe la lotion, elles font toutes l'affaire, elles sont toutes à peu près similaires. Ensuite je vais attendre que ça sèche un petit peu. Je vais passer au contour des yeux qui est comme je vous l'ai fait voir dans le tiroir beauté, qui est mon Eternal Orchid de la marque Sienne. Donc c'est de la marque Lidl. Alors quand vous voyez, j'en mets pas énormément, hein. C'est vraiment une pointe d'ongle, comme on va dire.
Je viens faire des mouvements de va-et-vient en fait sous l'œil et je viens tourner autour de l'œil. Les naseaux, j'ai mis. Hein. J'ai l'impression d'avoir le knacky là. Mais je pense que je le ferai demain, ce qui me fait mal. Je me suis accrochée dans le panier là, chez Action ce matin. Je me suis fait super mal. Et voilà. On va attendre un petit peu que ça pénètre. Après, je vais mettre mon l'ampoule anti-ox concentré d'éclat vitamine C de la marque SVR, hein, que je vous ai présenté également dans mon tiroir beauté. Donc, je vais mettre quelques gouttes dans ma main. Et je viens réchauffer la matière. Et je viens appliquer comme ça le produit. C'est ce que je fais comme ça. J'aime mieux l'appliquer comme ça en aplat. Je laisse un petit peu pénétrer. Donc voilà, voilà. J'ai hâte de refaire mes ongles demain. Je ne sais pas ce que je vais faire encore comme couleur demain. J'ai une petite idée avec un petit tuto que j'ai vu, je sais plus où, sur YouTube ou sur Instagram, avec une couleur nude avec deux autres couleurs entrelacées et avec du stamping par-dessus noir. J'ai ça dans la tête. On va voir ce que ça donne, ce que ça va faire sur le papier. Et pour finir, je vais mettre le Elisa Jones, la crème de nuit, qui vient de chez Action, hein, qui est pas mal du tout finalement, un tout petit prix. Hop là! Alors moi j'en mets un peu plus sur le cou. Et tout à l'heure, avant de me coucher, je mettrai sur le visage mon petit truc de chez, je vais vous faire voir. Pour les boutons, parce que comme je suis très fatiguée, c'est le printemps chez moi, oui, le printemps, ah, ça fait un bien fou. Alors n'oublie pas les lobes et derrière les oreilles, surtout c'est très important, parce qu'on vieillit aussi de là, des oreilles. Et puis je vais finir un petit peu par l'huile que je vous ai présentée également dans le tiroir beauté de chez Roger Egalé, que j'aime beaucoup. Je vais mettre sur les jambes et sur les bras. J'ai déjà hydraté mon corps avec une autre crème après la douche. Alors, je vais mettre aussi sur les lèvres le pompon que je vous avais déjà présenté, je ne sais plus dans quel. C'est en fait, c'est un baume multi-usage que, comme j'aime beaucoup, j'en ai reçu un dans une Birchbox aussi. J'aime bien ce style de produit parce qu'on peut l'utiliser pour les lèvres, pour la peau, pour le contour du nez là quand vous êtes enrhumé, pour les cuticules. Franchement, on peut faire plein de choses avec cette petite truc là. Voilà, je vais me concentrer sur les lèvres, comme ça jusqu'à que je fasse le repas, bah ça... Et puis j'en mets un petit coup avant d'aller au lit. Et c'est ce petit produit-là de chez Sampar, franchement c'est une pépite cette chose-là. C'est le stylo absolu pureté, stylo anti-imperfection, donc c'est à base d'huiles essentielles à l'intérieur. Je pense qu'il y a de l'arbre raté, etc. Et quand j'ai un petit bouton ou quoi, bah j'en mets plusieurs jours et ça a tendance à l'assécher, celui-là était très gros. Celui-là me fait encore un petit peu mal, donc ce soir, là, une fois que toutes mes crèmes auront bien pénétré, et bien avant d'aller au lit, je vais en mettre là et là. Donc ça a tendance un petit peu à piquer, mais c'est que ça fait effet. Donc je vais finir par cette petite chose-là sur les bras, je vais ranger un peu mon bazar là, je vais m'attacher les cheveux mieux que ça. Et puis on va se retrouver demain pour une nouvelle journée, je pense que demain je vous ferai voir la nouvelle pose. Et puis demain je vais tester mon aspirateur à poussière pour les ongles, donc je vous dirai ce que j'en pense. Par contre, je l'ai branché là, ça fait quand même du bruit, ça fait quand même du bruit. Je vous ferai écouter demain, donc voilà, à demain. Voilà, le remplissage est fait. Donc aujourd'hui, je vous retrouve, on est samedi, il est 11h26, je fais ma dépose et ma repose, enfin ma dépose, j'enlève tout ce qui est vernis semi-permanent pour refaire ma pose de couleur demain. Donc là aujourd'hui c'est essentiellement du façonnage, donc j'ai testé le ventilateur que je reçus d'AliExpress, enfin le ventilateur, l'aspirateur pour quand on ponce. Franchement, il est un peu bruyant. Je ne sais pas si vous écoutez. Écoute, je vous fais un petit peu écouter. Mais il fait très très bien le job. Tout simplement,
Regardez déjà ce qu'il y a dans le tamis là. Donc je le secouerai à la fin quand j'aurai fait les deux mains. Comme ça, on verra ce que ça a aspiré. Mais franchement, il est bien. Il a une vingtaine d'euros sur AliExpress. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là, j'ai déjà fait le remplissage d'une main. Celle-ci, elle est faite au niveau du remplissage. Je pense que... Donc là, je suis repartie pour 3 semaines. Je pense que la prochaine pose, je ferai une dépose complète et je testerai la pose américaine puisque j'ai tout ce qu'il me faut pour le faire. Mais comme là, on part quelques jours en off, voilà, je voulais être tranquille et être sûre que ça tienne. Donc je vais finir la deuxième main et je vous retrouverai, je pense, pour la mise en couleur. Je pense, peut-être cet après-midi ou demain, je ne sais pas. Je pense que ça sera demain pour la mise en couleur. Et ou sûrement cet après-midi pour les petites courses que j'ai faites puisque... Je ne suis pas du tout maquillée là aujourd'hui, je pense que je ne vais pas maquiller comme beaucoup de samedi. À 13h, il faut que j'emmène Enzo pour les JSP et je vais aller faire 2-3 petites courses à Carrefour pour aller chercher des herbes végétales puisque j'ai trouvé là mon fief. Donc je vais aller chercher ça et je vais repasser aussi par le relais colis, j'ai 2 colis à déposer. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour le petit retour de course, les petites courses que j'aurai faites. Voilà, à tout à l'heure, je vais finir. Là il m'en reste 3 à faire. Au niveau de la dépose. Et franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la petite ponceuse également, qui est ici, qui vient aussi d'Amazon. Ça, c'est AliExpress. Donc, hier, j'ai pas trouvé ça, chercher à Action, je n'ai pas trouvé. Et franchement, les blocs polissoirs de chez Ongle 24, bah, ils sont vraiment top. Ils sont beaucoup mieux que ceux de chez AliExpress. Le grain est beaucoup plus épais. Donc je pense que ceux de chez AliExpress, je vais m'en garder juste pour quand je nettoie l'ongle nu. Et ceux-là vraiment pour la pose. Donc je continue ma pause, enfin mon remplissage et puis je vous retrouve cet après-midi. Voilà, je suis de retour, j'ai été déposer Enzo au jeune sapeur-pompier et là j'ai été faire des petites courses à Carrefour Market je crois. Il est 14h, je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Donc à savoir que on a réintégré des petites choses dans mon alimentation donc pour test. Donc on va voir ce que ça donne, donc je vais vous dire après. Donc j'ai pris pour le chéri et Enzo des petits pains au lait pour le petit déjeuner. J'ai repris du blé parce que j'en avais plus. De la moutarde douce qui est moins agressive pour mes intestins. Je suis essoufflée. J'ai repris plusieurs infusions que j'ai pas encore testé celle-là. Donc c'est de la marque Carrefour. On a celle-ci, c'est un Rooibos à la framboise. Celui-ci, pêche cassis. Et celui-ci, Rooibos saveur vanille. Donc ça, à tester. J'ai repris une bûche de chèvre parce que cette semaine, je vais leur faire une pizza pour mon mari et mon fils. Donc j'ai pris ça, la chèvre, la pizza, le jambon qui va avec. J'ai trouvé ça pour tester, c'est de la protéine de soja en petits morceaux texturés. J'ai vu une petite recette en morceaux, donc à voir, ça remplace la source de protéines. J'ai pris ça pour Enzo parce que Enzo a la phobie de vouloir se laisser se pousser les cheveux. Mais dès qu'il a les cheveux un peu longs, il a des pellicules. Donc j'ai pris ça anti-pelliculaire qui sent bon au citron. Des bananes puisqu'on va réintégrer les fruits dans mon alimentation. Donc on commence par la banane. Donc voilà. J'ai repris, c'est pareil, la confiture. On la réintègre mais sous forme de gelée. Puisque la confiture, s'il y a des petits grains, ça passe pas. J'ai pris ça, c'est une tuerie. C'est yaourt végétal de chez Andros. Au chocolat, au lait d'amande, c'est une merveille, donc j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris celui-ci de la marque Carrefour au soja, au chocolat pour tester, on va voir ce que ça donne. En yaourt végétaux, j'ai pris donc les paniers de Leopier qui sont très très bons au lait d'amande à abricot et au lait de coco fraise. Franchement, cela ne fait pas la différence avec un yaourt au lait de vache. J'ai repris de la compote sans sucre ajouté, banane, vanille, pomme. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du thon pour moi pour ce soir avec du riz pour faire une salade. On réintègre également le chocolat pour limiter en fait la colopathie. Donc au goûter, je vais réintégrer 30 g de chocolat. Je vous parlerai vraiment en détail de cette vidéo de mon changement alimentaire quand vraiment on aura trouvé le bon rythme et qu'il y aura des résultats, etc. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo, je pense, dédiée ou dans un vlog. J'ai pris ensuite du gomasio, c'est un mélange de sel et de sésame. Donc ce qui remplace, c'est un salant, ça remplace le sel dans l'assiette. J'ai pris cette petite chose-là,
qui est un, vous savez, c'est les trucs plats qu'on met au congélateur. Donc d'ailleurs, je vais le mettre au congélateur. Parce que sur Amazon, je me suis commandé un genre de petit vanity thermos pour pouvoir transporter bah, quand on est invité. Parce que moi, je mange des choses spécifiques pour mes intestins, enfin qu'on a mis en place. Donc comme là, on va partir chez mes parents pour le week-end pour emmener Enzo, bah, pour le trajet, pour pouvoir emmener mes yaourts, mes compotes, enfin les choses comme ça, ma boisson, etc., mon eau, ma gourde. Donc je l'ai commandé sur Amazon, je pense que je le recevrai en début de semaine. Donc j'ai pris ça, comme ça c'est très plat, je vais pouvoir le mettre en haut, ça va garder mes choses au frais. J'ai pris une Orwell qui était en promo pour ce soir pour le repas de mes hommes. Comme ça, ça fera, je pense, pour demain midi, à moins que mon chéri fasse sa fête, puisque monsieur viande. Et j'ai pris ça, donc ça c'est pas pour nous. J'ai pris deux paquets de galettes Saint-Michel avec bleu, blanc, rouge et la mère Poularde, fabriquées en France. Tout simplement parce que Enzo part en Angleterre avec le collège et je voulais acheter des petites choses typiquement françaises pour la famille, des petits, un petit cadeau. Donc comme ça Enzo pourra donner ça et je pense que j'essaierai de trouver aussi un gel douche ou un savon, enfin quelque chose qui est typiquement français. Donc ça c'est pour qu'il emmène, donc je vais pas trop charger pour que, parce qu'il va pas avoir une très grosse valise. Donc soit ça, soit que ça. Ils sont dans une famille d'accueil, ils sont trois, donc chacun va amener une petite chose. Donc voilà, je pense que ça suffira. Donc je vais ranger tout ça. Un vent, les gars, il y a un vent pas possible aujourd'hui. Mon petit bouquet, il est toujours là. J'ai enlevé les roses rouges qui étaient complètement fanées. Et il est toujours là, ça fera... ça a fait 8 jours vendredi. Bah hier, ça a fait... Et franchement, ils tiennent super bien ces petites fleurs-là. Je sais pas trop ce que c'est comme fleurs. Je ne connais pas grand-chose dans les fleurs. Donc les ongles, c'est fini aussi. Voilà, je vais aller à l'étage avec vous après parce que du coup j'ai testé mon coin ongle ce matin et le fait que ça soit dans ce sens là face à la fenêtre etc c'est nickel. Par contre je ne peux pas mettre les jambes sous, j'ai super mal au dos, j'ai les jambes complètement écartées pour pouvoir poncer donc c'est pas du tout confortable. Donc là j'ai passé un petit peu de temps après sur Ikea ce matin en regardant et je vais vous expliquer à l'étage ce que je compte faire. Donc je pense que, parce que là on va partir quelques jours en week-end de semaine avec mon chéri pour un petit peu souffler. Donc je pense qu'on verra ça au retour, j'irai chez Ikea au retour. Donc de toute façon vous verrez ça dans les vlogs. Mais je vous expliquerai un petit peu ce que je compte faire. Donc je range mes courses et on se retrouve à l'étage. Voilà, courses rangées, je suis en train de me faire une infusion. Et je vais tester le Robios Vanille, là je vous ai présenté. Je sais plus dans quel vlog, je crois que c'était le vlog du... Il y en a une d'entre vous qui m'a demandé ce que je prenais comme beurre végétal. Je prends celui-ci, c'est celui que je trouve qui est vraiment très bon. C'est le Saint-Hubert Oméga 3 et je le trouve chez Aldi en gros format comme ça, à pas très cher. Et franchement, il est vraiment très bon. Sur mes biscottes le matin, c'est top. Donc je prends mon petit thé. Voilà, j'ai rangé toutes mes courses. C'est fait. Je vais mettre ça au frigo. Il ne me reste plus que mon gomasio à ranger, mais ça je le ferai tout à l'heure. Je vais me faire donc la petite infusion. On va voir ce que ça donne. Si c'est bien, si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Je vais monter ça à l'étage. Donc il marque qu'il faut infuser combien de temps? 3-4 minutes. Ok. Voilà. À tester. C'est celui-ci. Là, le Robios saveur vanille Carrefour. Infusion de Robios aromatisé saveur vanille avec morceaux de gousse de vanille épuisée. Donc, je vais vous reprendre à l'étage pour vous expliquer ce que je compte faire. Donc, de ce coin-là, franchement, c'est vraiment idéal parce qu'on voit vraiment très très bien au niveau avec sous le Velux, c'est top. Par contre, je ne peux pas mettre mes jambes là et j'ai obligé d'avoir les jambes super écartées. Donc, le dos, il morfe, le cou, enfin la totale. Et ça, c'est des meubles que j'avais récupérés, que j'avais achetés 20 et quelques euros. Enfin franchement que mon mari m'avait bidouillé parce qu'ils sont très très courts, il m'avait mis une planche sur l'arrière. Enfin finalement ils sont pas pratiques du tout. Donc je pense que je vais me reprendre, j'ai regardé là sur Ikea. Donc je vais me reprendre en fait deux meubles Alex, c'est-à-dire ceux-là en cette taille-là, je vais en prendre deux comme ça. Et je vais reprendre un plan de travail que je vais remettre ici qui est en 120. Donc exactement la même taille que ça et je pourrais juste avoir une petite niche ici pour mettre mes jambes. Donc à voir si la niche est assez grande, pour ça se trouve je reprendrai peut-être une chaise comme ça exactement la même. Et je vais reprendre un petit tapis de cette couleur là pour mettre à l'intérieur. Donc ça on verra ça après, comme je vous l'ai dit, mon petit week-end de semaine. Après le petit week-end de semaine
après le petit week-end de semaine à Reims, puisqu'on part quelques jours à Reims. Donc pour un petit peu couper tout ça, je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans le bac. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça sur un mouchoir, comme ça je vais pouvoir le mettre directement à la poubelle. Voilà, je vais mettre ce qu'il y a dans le collecteur pour vous faire voir. Parce que vous voyez, bah, du coup je suis obligée d'être vachement loin. J'ai mes jambes, ça va pas, je suis obligée d'avoir les jambes écartées comme ça. Donc ça va pas du tout, du tout, du tout. Et je vous ai pas montré, mais j'ai installé la boîte là qui était sur Amazon pour les câbles. Et franchement c'est top, c'est top top. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Comme ça, ça me permettra aussi de ranger ce coin là. Et de ne pas toucher en fait à mes colliers qui sont accrochés là, mon coin bijoux ici miroir. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais mettre ce qu'il y a dans le petit collecteur sur un mouchoir. Comme ça je vais vous faire voir ce que ça a collecté parce que c'est énorme. Donc du coup je pense que je pense pas que je vais racheter d'autres petits trucs comme ça. Je vais garder ceux-là juste pour ça. Et voilà, je pense que je vais faire ça. Donc et les meubles Alex, en fait, tout ce qu'il y a pour mes ongles qui est ici. En fait, toute cette colonne-là, à peu près jusque du deuxième tiroir jusque ici, tout ça, c'est que mes ongles. Donc, je vais rapatrier ça ici, ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Et ici, je pourrai ranger, en fait, des palettes, les choses comme ça, les choses que j'ai à tester, voilà. Ça sera encore du rangement. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, ça me fait 100... Les meubles, ils sont à 69, les Alex. Le plan de travail, il est à 15 euros. Je crois que j'ai en plus un bon d'achat de 10 euros avec la carte IKEA Family. Bon, faut que je regarde jusqu'à quand il est valable. Parce que s'il est valable que cette semaine, bah, j'irai au moins acheter les meubles cette semaine. Et puis, on fera tout ça après les vacances. Enfin, après les vacances. Après notre petit week-end de semaine. Et franchement, vous voyez l'éclairage ici. Même pour filmer, même si je vous pose sur pied. Regardez ça. Hop là, je vais pousser un petit peu. Même pour filmer, c'est pas mal l'angle de vue là, ça peut être sympa aussi. En lumière du jour, par exemple un make-up ou choses comme ça, ça peut être très sympa aussi de filmer ici sous cet angle là. Donc, je vais mettre sur un petit mouchoir ce qu'a collecté l'aspirateur. Vous voyez, franchement, c'est super pratique. Il est bien, il est bruyant par contre. Mais franchement, pour le prix... je crois que j'avais payé 20aine d'euros. Et il existe en plusieurs coloris. Il existe en rose, en gold, en silver et en blanc. Mais je trouve que le blanc, blanc et gris, c'est ce qui se marie le mieux. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. C'est un 80 watts. Ça a été livré en 15 jours. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Donc je vous mets sur un petit mouchoir. Je vais reprendre l'autre côté. Donc on enlève le collecteur comme ça sur l'arrière. Je vous mets là. Déjà, regardez ce qu'il y a dedans. C'est impressionnant. Impressionnant. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement. Regardez tout ce que ça a collecté. C'est vraiment génial. Donc, j'ai vu que ça aussi, quand c'est vraiment après très très encrassé de poussière, etc., on peut en acheter sur AliExpress, des comme ça. Donc, j'en ai mis dans mes favoris. Comme ça, je pourrais en avoir au cas où sous le coude. Mais franchement, c'est génial. Génial. Donc, je vous le conseille à 10 000% si vous faites les ongles vous-même. Ça peut être très très sympa. Voilà. Ravie de cette petite chose-là. Donc je pense que je vais clôturer cette petite journée là. Mon chéri est repassé tout à l'heure reprendre du matériel parce que là aujourd'hui il bosse, on est samedi mais il travaille le samedi. Vous savez, quand on est à son compte on travaille un petit peu tous les jours. D'ailleurs moi aujourd'hui j'ai des factures et tout ça à faire, donc là je vais aller bosser un petit peu pour la société parce que je veux pas le faire demain. Je veux vraiment le dimanche ne pas toucher à la société et demain je frinirai mes ongles. Et si demain il fait ce temps là, ma cheville ça va un petit peu mieux, enfin mon talon, la tendinite ça va un peu mieux. Donc s'il fait ce temps là demain, je pense que demain je vais aller marcher demain après-midi. J'espère que ça va faire, il va faire ce temps-là, parce qu'il fait 14 degrés, il y a un peu de vent, mais il y a du soleil, donc c'est super agréable. Donc je vais aller bosser un petit peu, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Voilà. Hello, on est dimanche, il est presque 11 h je crois.
Si mes calculs sont exacts, oui, il est 11h tout pile. Je viens de finir ma manucure, voilà, ma nouvelle couleur, pose de couleur. Donc, j'ai fait du bleu sur le pouce. Enfin, les deux mains sont différentes. Je vous mettrai sur pied. J'ai mis du foil. J'en ai encore là. Je me démaille. J'ai mis du foil sur ce doigt-là et un stamping ici avec bonjour, enfin des lettres et des paillettes sur celui-ci. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai utilisé. Toujours dans mon petit coin ongle, voilà. Donc finalement, je vais aller à Ikea demain, je pense, parce que le bon d'achat que j'ai de 10 euros, comme je vous l'ai dit hier, il se finit le 14, je crois. Et comme on part en week-end, et ben, j'ai peur que, voilà, on ne sera pas rentré. Donc je vais y aller demain, comme ça va être fait. Et je vais aussi aller chez Centre-Accord, mais ça, vous verrez ça dans le vlog de dimanche prochain. Puisque ce vlog, je vais le clôturer aujourd'hui parce que c'est, je voulais faire un petit week-end avec moi. Donc voilà. Alors, pour les ongles, j'ai utilisé, donc pour le bleu, pour les deux bleus, j'ai utilisé celui-ci de la marque Rosaline. Donc le, non, pas celui-ci, je voulais le mettre, mais c'est pas celui-là que j'ai mis. Finalement, j'ai mis des paillettes. Donc j'ai mis ces deux bleus-là, qui sont, pour le plus bleu foncé, c'est le BU008. Et pour le plus clair, c'est le BU002. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Pour les paillettes, j'ai utilisé en fait de la base, une base que j'ai achetée sur AliExpress, hein, peu importe la base. Et j'ai mis des paillettes dessus. Donc des paillettes qui sont pour les loisirs créatifs qui viennent de chez Action. Donc ils sont ici. Et j'ai recouvert avec mon quick finish de chez Ongle 24. Pour le stamping, j'ai utilisé celui-ci de Nicole Dieri qu'on retrouve sur AliExpress, hein, tout simplement. Et j'ai mis autour un petit peu de latex liquide pour pouvoir bah, pour pas que ça déborde. Et pour la petite plaque de stamping, j'ai utilisé celle-ci qui est là, je ne sais pas quoi, la bande Prétistor, la 69. J'ai utilisé les mots qui sont juste ici. Et le foil, je ne sais plus d'où il vient. Enfin, il vient d'AliExpress. Donc c'est un foil avec un peu holographique, vous voyez, avec des étoiles, etc. Donc voilà, je voulais quelque chose dans les tons bleus. Donc voilà, c'est fait. Et pour l'autre main, je vais changer de main. Donc j'ai fait comme ceci. Donc je vous mettrai un petit visuel là en musique après, juste après. Et pour la colle, pour le foil, bah, c'est la colle spéciale foil de chez Bon Petit Store. Elle est très très épaisse, donc il faut vraiment bien bien l'étaler. On catalyse et on met le foil et on remet une petite couche de quick finish sur le foil et ça tient. Tout seul. Voilà, donc je suis tranquille pour 15 jours, 3 semaines. Donc je vous mets tous ces liens en barre d'infos. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Puisque voilà, vous aurez un autre vlog dimanche. On se retrouve un petit vlog de semaine par contre. Parce que là, c'était un vlog de week-end. Donc on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Et mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! But I